La famille, je reviens vite fait rectifier deux, trois petits trucs en fait. Voilà. C'est nécessaire en fait. Reconnectez-vous vite fait. Ouais, t'inquiète. Allô? Oui, j'aurais lancé. D'accord, t'inquiète. Ah, d'accord, ok. Hein? T'inquiète pas. À tout à l'heure. Alors, je reviens rectifier deux, trois petits trucs vite fait, en fait. Voilà. Je vois tous vos commentaires. Hein. Voilà, je vois un peu. Un peu plus. Voilà. Allez, encore. Oui, vite fait. Je voulais même pas me connecter. Vite fait, vite fait. Pas besoin d'être. Donc, je me sens pas bien. Donc, je vais pas trop durer, en fait. Voilà. Je viens rectifier deux, trois petits trucs vite fait. Parce que moi, j'aime pas trop les agitements. Quand on prend la route de la loi, là, on ne s'agite pas. Voilà. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Quand on prend la route de la loi, on ne s'agite pas. Vous avez compris, non? On ne s'agite pas. Voilà. Ce qui est sûr, il n'y a personne dans qui va sortir vainqueur dans cette histoire. Voilà. Je reviens vite fait sur une vidéo de Cissé du Boulevard. Déjà, moi, Cissé, c'est quelqu'un que je connais de loin. Voilà, par rapport à Sobani. OK? Quand vous ne connaissez pas le début d'une histoire, que vous asseyez, vous racontez tout et n'importe quoi, ça, c'est vous qui voyez. Non, mais franchement, c'est vous qui voyez. Vous êtes des humains, je suis un être humain. OK? Je suis partie au Château Rouge, Château d'Eau, faire mes cheveux. Je me suis fait agresser là-bas. Je me suis fait filmer dans mon dos. Il n'y a eu qu'un 5-6 direct d'injures. Vous dites que comment on appelle, excusez-moi, vous parlez de la réalité, vous parlez de non, on ne sort pas du contexte de la réalité, on sort pas du contexte du virtuel pour venir dans la réalité. Quand je suis partie au château d'eau et que je me suis fait filmer, insulter, vous étiez où pour parler? Vous qui parlez là, vous étiez où pour parler? Vous qui êtes en train de raconter tout et n'importe quoi, les mouloukoukou et tout là. Vous étiez où pour parler? Je demande, je pose une question. Vous étiez où? C'est normal que moi je vais dans un coin pour aller faire mes cheveux. Je me prends la tête avec quelqu'un sur Internet et que la personne me filme, la personne m'expose. Vous avez applaudi ça. Vous n'avez pas branché un mot. Château d'eau là, c'est pas un coin public aussi. Château d'eau là, c'est pas un coin public. Quand je me suis fait filmer au château d'eau et qu'on m'a traité de peureuse et qu'on m'a dit que j'ai fui, les vidéos sont là, elles parlent d'elles-mêmes. Vous n'avez rien. Que j'ai fui. Je suis une peureuse. Trois vidéos pour m'insulter, pour montrer le magasin où j'étais. Elle est dans le magasin, elle ne veut pas sortir. Elle a fui. Si je m'excuse auprès du before là, c'est parce que je me suis dit que c'est des jeunes dames. Sinon, partout par là-bas arrive l'enfer. Vous avez compris? Voilà. Partout par là-bas arrive l'enfer. Je me suis levée pour aller au château de faire mes cheveux. Je n'avais pas affaire à Pierre-Paul Jacques. Quand je me rends compte qu'il y a des vidéos qui se sont faites derrière moi, pendant que ces personnes-là insultaient mes parents, mais ils ont ramené le virtuel à la réalité. Je suis femme, mais je ne suis pas garçon. Oui, ma camarade femme ne peut pas me faire peur. Ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Voilà. Donc, si c'est du boulevard là, c'est respect, je lui donne. Sinon, franchement, je ne suis même pas obligée. Voilà. C'est respect, je lui donne. Parce qu'il ne sait pas l'histoire.
Voilà. Moi, quand j'étais assise, et puis elle m'a poussée pour partir, là. Vous n'avez pas vu. J'arrive dans un établissement, mes films. J'arrive dans un établissement pour m'amuser. Je me fais filmer. Ah, ça, on parle pas de ça. Ah, je bloque. Excusez-moi. Attendez. Attends. J'arrive dans un établissement. Je me fais filmer. De dos. On va se battre. Ou bien, vous n'avez pas vu. Il y a des vidéos aussi où elle m'a frappé. Ça aussi, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Vous avez envie de parler. Vous avez envie de parler. Que vous m'aimiez ou vous ne m'aimez pas. Franchement, moi, je m'en fous. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Parce que votre amour, là, ça ne peut pas envoyer quelqu'un quelque part. C'est l'amour de Dieu qui est important. Là où ça arrivait, là, ce n'est pas de bavarder dans la gueule. On ira devant les autorités. Oui, on ira devant les autorités. Chacun va sortir son argent pour prendre son avocat. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait l'âme dans ma joue. Je ne savais pas. Je me suis... Il y a une vidéo où quand vous écoutez, il y a une fille qui dit que elle saignait, c'est moi qui ai nettoyé son sang. Je saignais. J'ai saigné là-bas. La fille a dit, c'est moi qui ai nettoyé son sang. J'ai commencé à saigner. Je ne savais pas. Je suis venue, j'ai dormi. Je me réveille, ma joue enflée. Mon oreille enflée. Je me suis rendue où je devais me rendre. Je suis allée à l'hôpital. Mon cou, en ce moment-là, j'ai mal. Oui. Donc, vos histoires de « aïe, sans papier, aïe, tant, tant, tant », vous allez confirmer. On gueule pas trop. C'est exhibé, là. Non. On ne gueule pas trop. On est femme, non. On va s'assumer. C'est cinéma, tout ça, c'est bavardage inutile, là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Aïe. Bavardage inutile là. Excusez-moi, mais c'est pourquoi. sauter là, c'est pourquoi. Il ne voit rien là. Aime nouveauté. Donc, s'ils veulent, n'ont qu'à se verser là où ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais une chose est sûre. On ira devant les autorités. C'est pour ça que trop parler là. Trop parler là. Trop parler. J'ai été filmée au château d'eau. Je pense que je vais aller voir. C'est tout est sur une clé USB. Mais je vais voir si je peux la voir là. Insta ne se bat pas. On avait mal ouest ici. Hein? Dans loup à la baie, biscuit de mer. Quand tu n'as pas force, tu te tais. Voilà. Moi, ils ont groupé sur moi. Hein? Donc, c'est la police qui va juger. Oui. C'est la police qui va juger. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut qu'on se respecte au bout d'un moment, en fait. Voilà. Ah. J'ai envie de mettre son design là dans mes directs. Donc, j'ai été filmée, je suis allée tranquillement au château d'eau pour faire mes ongles et mes cheveux.
Je ne suis pas partie dans l'intention d'aller me battre avec qui que ce soit. Moi, il y a des gens qui m'insultent chaque jour, je les vois. Hein. Je les vois sur Internet. Je ne me suis jamais... Je les vois en réalité. Mais je me dis, c'est le game de Facebook. Je n'ai jamais porté main à une personne avec qui j'ai eu des problèmes. Je ne sais pas si on se comprend. Je n'ai jamais porté main à une personne avec qui j'ai eu des problèmes. Parce qu'il connaît mon cœur. J'arrive au château d'eau. Fais mes ongles et mes cheveux. Je vais serrer mon habit, on me filme. Que j'ai fui. Qui vont me frapper? J'étais assise aux zouglous. J'arrive aux zouglous, on me filme. Vous dites quoi de ça? J'ai été filmée aux zouglous. Oui, j'ai été filmée. Il y a une vidéo aussi. Où, il y a une vidéo ici où on dit on m'a frappé. Tiens mon numéro. Ça c'est. On t'a gâté. Adrien m'a dit. On a mon maquillage, il est mon maquillage. On t'a gâté. Adrien m'a dit. On t'a gâté. On dit qu'on m'a frappé. On a mon maquillage, il est mon maquillage. J'ai été frappé. Ou bien. Donc, mes chéris, c'est quand tu n'es pas allé à l'école que tu joues avec la loi. Je n'ai pas porté plainte aussi, hein. Non, je n'ai pas porté plainte. Moi, je suis allée vers la plante. Je me suis, vous me voyez, parle, je suis malade. Je joue là. Il y a eu l'âme à l'intérieur, c'est ce que vous avez dit. Je n'ai pas porté plainte. Est-ce que moi, il y a papier? Sans papier pour porter plainte. Quelqu'un qui n'a pas papier. Moi, je n'ai pas papier. Je me promène sans papier, je porte plainte contre qui? Quelqu'un qui a ramé dans, avec les poissons pour venir. Quelqu'un qui a nagé pour venir en France. Elle va porter plainte. Ce qu'on va porter plainte là, on demande les papiers. J'en ai. Je n'ai pas les papiers. Oh. Papier là, c'est quoi on appelle papier là? Papier même est étonné. Je n'ai pas. Je n'ai pas les papiers. Je suis sans papier. Je n'ai pas porté plainte. Donc, les propriétaires, ceux qui ont papier en France ici, là, c'est leur plainte aussi, j'attends. Ou bien, maintenant, vous qui parlez à côté, là, je vous emmerde, mais sérieusement, quoi. Voilà. Vous qui parlez à côté, là, je vous emmerde. Je veux parler un peu, je veux revenir sur l'histoire de Sobhani. Sobhani, là, c'est pas mon gars. Il faut que ça soit clair. Sobhani, c'est pas mon gars. Lui et moi, non. Je vous ai toujours dit ici que ce n'est pas mon gars. Je vous ai toujours dit. Mais c'est vous qui avez toujours collé, vous l'avez collé sur moi, que c'est mon gars. Maintenant, pour finir, vous-même, vous parlez, puis vous changez de bouche. Sobhani, ce n'est pas mon gars. Sobhani n'a jamais été mon gars. Sobhani ne peut jamais être mon gars. C'est un grand frère. C'est vrai, au début, il m'a dragué. Mais non, on est resté grand frère, petite sœur. Donc, il est libre de traîner avec les prostituées. Sobhani, c'est quelqu'un qui aime peut-être, je ne sais pas, s'il a vu une prostituée qu'il veut, il est libre. Il est libre de ses mouvements. Moi, mon gars avec qui je sors ne peut jamais aller prendre le numéro d'une prostituée à ma présence. Parce que moi, je suis une princesse, je suis une reine. Voilà, je suis une princesse, je suis une reine. Donc, Sobhani, ce n'est pas mon gars, les amis. Donc, il peut faire de sa vie ce qu'il veut. Si je me suis excusée devant Cicel du boulevard, c'est parce que je suis arrivée et c'était sur leur table, il y avait de la place. Et puis, on s'est assis sur sa table. C'est pour ça que je me suis excusée auprès de lui. Je ne le connais pas en tant que ta, en tant que ça. On ne se connaît pas, voilà. Je l'ai entendu, il est en train de dire qu'il est fâché avec moi. Il n'a pas compris l'histoire. Moi, je t'ai assise, les amis. Parce que en fait, le maquis est là. Le maquis before là. Enfin, le maquis, là. Où on danse, le podium est là. Moi, j'étais assise de ce côté. C'est-à-dire que j'étais assise comme ça. Je faisais face au podium. Je faisais face au podium. Et je vous explique. Hein. Mola a demandé à une personne dans la foule de venir danser sur une chanson qu'il allait chanter. OK?
Et elle s'est proposée, en fait. La prostituée, là, s'est proposée. Je ne sais pas s'il la connaît ou pas, mais en tout cas, j'ai vu que ce n'est pas qu'il a appelé une personne, non. Ce n'est pas qu'il a appelé personnellement. C'est elle qui s'est proposée. Parce que quand elle m'a vu rentrer, elle a commencé à s'agiter. D'où elle m'a filmé pour dire que je suis là. Ça, là, vous n'avez pas vu. Non, mais sérieux, parlons peu, parlons vrai. Arrêtez un peu. Moi, j'arrive dans un établissement, tu prends ton téléphone, tu me filmes. Pourquoi? Tu me filmes par rapport à quoi? Tu as annoncé mon arrivée que tu veux te battre, non? Maintenant, quoi que quoi? Bref, je t'ai assise. Et elle s'est levée. Elle est passée à côté. Moi, je ne savais pas que c'était elle, en fait. Je ne savais pas. Quand elle est passée, elle m'a bousculée. Excusez-moi une minute. Parce que j'ai la vidéo, donc moi je ne parle pas pour ne rien dire en fait. Voilà. Pardon, tu peux enlever les têtes de moi là. Mais va sur l'autre côté là-bas là. Non, mais pas sur ma page. Où tu suis l'application là? L'application bleue, la page Facebook là. Faut changer le nom. Va en haut dans le petit truc là, tu changes. D'accord, c'est pas grave, je vais faire. Attends. Attends. Excusez-moi les amis. Excusez-moi, attendez. Oh. Attends, je vais télécharger et te montrer comment on fait. Tu as fait, hein? Ta télécharge. Hein? Donc, elle m'a bousculé comme si c'est un peu j'allais tomber. Elle m'a bousculé pour un bout. Vous me pensez que c'était un gros bras. Je regarde. C'est elle, elle est passée devant moi pour aller monter sur le podium. Au retour. C'est un face-à-face. Hein. Parce que quand vous parlez de dos, là, je ne comprends pas en fait. C'est un face-à-face. Parce que je vous dis, quand elle part, elle me donne dos. Quand elle revient, je suis en face en fait. Voilà. Au retour, là, c'est un face-à-face. C'est pas qu'il y a eu, comment on appelle ça, un tapement dans le dos. Moi, elle n'aime jamais de dos, ma camarade. Elle ne fait pas ça. Retour, c'est un face-à-face. Et ça, on va s'expliquer devant la justice. Oui, oui. Voilà. Donc, quand tu ouvres ta bouche à chaque fois, tu insultes quelqu'un, tu vas l'exposer. Je vois que tu veux essayer de prendre des gens et tout et tout. Hé, moi, là, quelqu'un ne me nourrit pas. Hein. Voilà. Moi, si je présente mes excuses à mon coco, je me dis, c'est parce que c'est une soirée. C'est la soirée de Moula et que lui n'a pas compris. C'est pas ce qui se passe en fait. Voilà. Je bois pas l'eau dans mes narines. Voilà. Au retour là, on se voit en fait. Parce que je suis assise comme ça, le podium en face de moi. Donc quand tu reviens par derrière quoi. Tu n'as pas fait marche arrière pour venir. Au retour, on se voit. Et le palabre a commencé. Quand le palabre a commencé. L'autre est venu me taper. Oui. Et enlever une lame dans sa poche pour me déchirer. J'ai commencé à saigner. La vidéo parle d'elle-même où je saigne. Vous allez entendre aussi.
Excusez-moi, donnez-moi une petite minute. À partir de là. C'est long la vidéo parce que j'ai tout mis sur une clé USB. Écoute la partie où elle dit c'est moi qui ai nettoyé son sang, tu me donnes le temps que je finis. Voilà. Donc j'ai été déchirée, les amis. Déchirée avec une lame. Je n'ai pas senti ça. La lame m'est cassée pour rester dans ma joue. Je n'ai pas senti. Je suis venue à la maison parce que, évidemment, j'avais bu un verre. Je n'ai pas senti. Diminue un peu. C'est quand je me suis réveillée matin, ma joue enflée. Ma joue enflée. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma joue enflée comme ça? Je touche, c'est enflé, je touche, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Il dit, hé, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai appelé ma copine, je dis, mais je touche ma joue là. Viens ici là, ça pique. Ça pique, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu as fironque? Je dis, non, je n'ai pas fironque. Je suis venue dans le miroir, je regarde, c'est enflé même. J'ai dit, hein? C'est comme ça que j'ai appelé mon médecin. Oui, je l'ai appelé par FaceTime. Quand mon médecin a regardé, mon médecin dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et j'ai dit, ah, je ne sais pas, mais ma joue est enflée en fait. Jusqu'à mon cou, là, là, c'est enflé. Tout ici, là. Hein? Hein? Vous voyez, on m'appelle? Dis-moi, là, c'est enflé jusqu'à ici. Donc, c'est comme ça, mon médecin, il vient à la maison, il regarde. Il dit, hé, mais il y a un truc à l'intérieur. Je dis, un truc à l'intérieur, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique que j'ai, en tout cas, on a groupé sur moi, en fait. Oui, il me dit, allons à l'hôpital. C'est là qu'ils sont allés opérer pour enlever l'âme, là. Donc, on va aller s'expliquer. Oui, on va aller s'expliquer. Parce que c'est atteinte à la violence. Oui, quand tu excites les gens à la violence, tu excites une personne à la violence, tu vas t'expliquer. Parce que comment je suis arrivée, je n'ai pas filmé quelque part que je suis là. Je n'ai pas filmé une personne, mais j'ai été filmée. Et dans le filmé, on dit qu'ils vont me frapper. Oui, qu'elle est là, on va se frapper. On m'a filmé de dos. On m'a poigné avant d'aller faire striptease. Quand je suis allée danser Mola. Vous-même allez regarder la vidéo. Quand elle a dansé, personne ne l'a applaudi. Personne. Je vous dis que personne ne l'a applaudi. Hein? Et ça m'intéresse même parce que c'est danser où et puis par rapport à quoi même. Personne. Jusqu'à Mola était obligée de dire, mais applaudissez. C'est Mola qui demande parce que tellement la honte était trop. Oui, Mola qui dit applaudissez. Mola dit applaudissez. Une personne qui a pris son courage de venir se ridiculiser comme ça, applaudissez la personne. C'est comme ça les gens applaudissent en fait. Ça a été une demande de Mola en fait. Ça a été une demande parce que danser là, c'est qu'elle danse. Et puis je serai jalouse ou bien ce que vous dites là, c'est qu'elle danse. Bon, c'est que vous avez vu là, vous avez vu quoi d'extraordinaire en fait? Qu'est-ce qui a épaté ou bien il n'y a rien eu?
trémousser, juste pour se faire voir. Parce que je dis qu'elle passe inaperçue. Oui, quand je suis rentrée au Bifo, on m'a annoncé. Ils ont annoncé mon arrivée. Hein? Et puis, s'il n'y avait pas... Même là, après ça, quand le banquement s'est passé, effectivement, on se bat dans un endroit. On s'est battu dans un endroit. Les gros bras ont pris une personne. Moi, il n'y a pas gros bras qui a voulu me mettre à la porte. C'est archi faux. C'est que Moulkoukou allait dire là. Il s'ennuie, en fait. C'est archi faux. Voilà. Ils ont voulu arracher une perruque, sa perruque dans ma main. Je dis, je ne donne pas la perruque. Et c'est comme ça que Cissé a intervenu. Moi-même, je dis, je veux sortir. C'est Cissé qui m'a dit, il faut t'asseoir. Je n'aime pas trop le mensonge, en fait. Si Cissé, il dit la vérité, il a dit, je veux sortir. J'ai même fait un direct, je dis, je veux sortir. Cissé dit non, de m'asseoir. Je dis, je veux me lever pour sortir. Je vais aller dehors. Ils ne veulent pas me laisser. Ils m'ont bloqué. Puis ils m'ont mis sur une chaise. Je suis assise au milieu. Ils n'ont pas voulu que je sorte. Sinon, moi, ils voulaient sortir. Je voulais sortir. Regardez bien mon premier direct que j'ai fait. Je veux me lever pour sortir là. Cissé m'a dit de rester là. Et il a voulu que je lui donne la perruque. Je dis, je ne donne pas. Après, il a parlé quand j'ai donné. Voilà. Je suis un être humain. Voilà. Et j'assume. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand tu as la bouche, il faut assumer. Il ne faut pas prendre l'âme pour blesser quelqu'un. Parce que là, ce n'est plus dans le contexte. Ça, c'est âme blanche. Et on a la vidéo où c'est dit en Djoula que j'ai pris l'âme pour la déchirer. On a une vidéo aussi, elle dit qu'elle a pris vert pour me gifler. Elle m'a giflé vert. Donc, on ira s'expliquer. Ce n'est pas vos conneries de Facebook là-haut. Oui, ce n'est pas vos bêtises de Facebook là. Ce n'est pas les trucs qu'on parle sur Facebook. Vous faites des commentaires et tout à la con. Et puis, vous allez faire association de aide-moi à détester sur moi là. Ce n'est pas ça. Hein. On ira devant la justice. C'est de ça qu'il s'agit. On ira devant la justice. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller devant qui de droit? J'ai été agressée. On m'a déchirée avec l'âme et j'ai été agressée deux fois. La première fois au château d'eau. La deuxième fois, j'ai été filmée. C'est-à-dire que tu ne peux pas me dire que toi, tu n'étais pas prête. Tu as annoncé mon arrivée. Quand je suis arrivée, tu as fait direct pour dire que je suis là. On va se battre. Et puis vous allez venir dire que je t'ai tapé. Je ne comprends pas en fait. Tu as fait une vidéo que je suis là, on va se battre. Et vous sortez, vous venez dire que je l'ai tapé. Je ne comprends pas. C'est dans la même boîte là, dans le même coin là, qu'elle a fait la vidéo pour dire qu'elle veut se battre avec moi. C'est pour ça qu'elle est passée, elle m'a poussée. Je n'ai jamais provoqué cette fille. Je ne l'ai jamais provoquée. Un bon matin, mes parents ont été insultés par elle. Un bon matin, ma mère a été insultée par elle. Un bon matin, mon père a été exposé par elle. Mais je me suis dit, c'est Facebook. Mais quand ça rentre dans le virtuel, tu me vois à un endroit, tu viens filmer pour dire que j'ai fui. Maintenant, tu es en face de moi, tu dis que je t'ai tapé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand tu faisais les vidéos pour dire que j'ai fui, ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, ils étaient où pour te dire d'arrêter ça? Ceux qui sont en train de dire que Marie, Aya, on ne fait pas parler à lui, vous étiez où pour lui dire ça? Vous avez applaudi, non? Ce n'est pas vous les mêmes là qui m'avez appelé pour me dire qu'on dit tu as fui, on dit tu as fui, on dit tu as fui. Hein? Mais maintenant que ça arrivé, qu'on a groupé sur moi, qu'on m'a déchiré, là, on ira au tribunal. C'est tout. On ira au tribunal. C'est la première à aller porter plainte, c'est la première après un syndicat médical. Donc on est là, on ira au tribunal. Moi, je n'ai pas papier. Donc on va aller s'expliquer. Voilà. On va aller s'expliquer. C'est tout. C'est tout. Maintenant, ceux qui ne savent rien, là, qui ont jugé au premier jour, là, ça c'est eux qui voient. Allô? Non, mais je parle, tu sais que quand je parle là, je parle comme ça. Faut pas m'appeler pour me déranger quand je suis en direct. Elle a dit ça. Je parle comme ça. Voilà, je parle comme ça. Comme il y a la maison, ça fait écho tout ça. Attendez une minute. Pourquoi ça ne charge pas? Oh, j'ai mal à la tête. Donc voilà.
On ira s'expliquer. Point à la ligne. Ah, donc vous quelqu'un qui a fait direct le soir et puis le lendemain danser sur talent, puis le lendemain dit qu'il a cassé son pied, il a cassé son dos là. Que son agresseur a cassé son pied là. Ah. Qui vous voit même? Je dis, il faut qu'on arrive au tribunal pour qu'on confirme les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Moi, je ne rentrerai pas dans toutes ces conneries, en fait. Voilà, juste vous dire que je suis déchirée profondément jusqu'à vers mes oreilles. Et j'ai la joue très enflée. Donc, je suis allée voir qui de droit. Je suis allée voir qui de droit. Maintenant, le reste, là, c'est vous qui voyez. Le reste, c'est vous qui voyez. Voilà. Le reste, c'est vous qui voyez. Tout ce que vous allez dire, c'est vous qui voyez. Tout ce que vous allez faire, c'est vous qui voyez. Tout ce que vous allez raconter, c'est vous qui voyez. Et j'ai oublié mon caleçon. Mon caleçon s'est retrouvé. Mon caleçon rouge. Hein? Oui, j'avais mis un jean transparent. Elle m'a même déchiré mon caleçon rouge. Donc, les gens de Bifor, là, si vous retrouvez mon caleçon, ramenez mon caleçon, hein. J'ai été déshabillée, mon caleçon s'est retrouvé là-bas. Ah, il y a des vidéos aussi qui parlent d'elles-mêmes. Oui. J'ai des vidéos qui parlent d'elles-mêmes, hein. Attends. Tu n'as pas vu la vidéo, la partie? Non. Je l'ai enregistrée, ça doit être dans ce téléphone. Oh, qui vous a dit intervenir, puis vous appelez, appelez la mienne. Donc il y a ça. On dit que tu dis que je t'a... la personne même que on dit qu'elle a agressé là. On dit je mens. On dit que l'agression là c'est vous aussi. Donc on va aller s'expliquer. Moi je sais pas pourquoi on doit venir parler, raconter sa mort et tout. Réunissez vos preuves. Je réunis mes preuves. On se retrouve au tribunal. C'est tout. On est dans un pays de droit. La France, c'est un pays de droit. La France, c'est un pays de droit. Mon caleçon rouge s'est retrouvé dehors. Pendant que j'étais en jean, c'est pas si mon jean était transparent, on m'a enlevé mon caleçon rouge. Ils m'ont giflé à bouteille. J'ai un message même, un statut même qui a été fait aussi. On dit on m'a giflé bouteille. J'ai des vidéos qui parlent d'elles-mêmes. J'ai l'agression qui s'est passée au château d'eau. Donc tout ça là, on va aller s'expliquer. On va aller s'expliquer. C'est pas affaire de télé, c'est pas affaire de Facebook. C'est une histoire de loi. Lui et moi j'attends. 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 Je vais vous montrer. Oui. Je vais vous montrer qu'en France, ici, là, la loi existe. Oui. Je vais vous le montrer. Voilà. Parce qu'à chaque fois, ça devient de trop. Je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'à partir de moi, là, à partir de moi, vous n'allez plus narguer quelqu'un. Vous n'allez plus offenser quelqu'un. Vous n'allez plus menacer. Oui. C'est moi qui vous dis. Ça ne sera même pas du jeu. Ça ne va même pas chauffer, en fait. Voilà. Ça ne va même pas chauffer. Ça ne va même pas chauffer. Tu me chauffes. Ce qui arrive, arrive. Donc, mes chers amis, quand la provocation est trop, après on assume.
Chacun n'a qu'à assumer ses actes. Chacun n'a qu'à assumer ses actes, tu vois. Fais comme ça, descends là, tu vois, je vais te montrer. Fais comme ça, tu fais, voilà, tu vois, non. Tu les cherches, tout ce qui est rouge, rouge, c'est là. Tu cliques dessus, tu viens là, tu fais confirmer. Ouais. Essaye de faire un jet de mouleur. Voilà, confirmer. Ressort, ressort par là. Redescends, cherche. Hein. Voilà, non, ça là, j'ai déjà fait. Juste va en haut. En bas ici. Voilà. Fais ça, descend. Mais tu dis que tu l'as frappé. Quand elle a dit qu'elle m'a frappé, là, tu étais où? C'était bouche en bouche. Elle dit, elle m'a frappé. Moi aussi, elle dit, je l'ai frappé. Maintenant, après, il faut qu'on vous dise la vérité. Moi, on m'a déjà été agressée. Voilà. C'est l'affaire de Facebook. On vient faire m'as-tu vu. Mais la vraie vérité, c'est que j'ai été agressée. On m'a déchiré l'âme. Au château d'eau, je n'ai pas été agressée, comme vous le dites. Mais j'ai été filmée. On m'excitait à la haine. On m'excitait à la haine. Chose qui n'est pas normale. Tu ne peux pas filmer une personne. Viens, on va se battre. Sors, viens, on va se battre. La vidéo est là. La vidéo est là. Quand je suis rentrée dans la boîte de nuit aussi, j'ai été filmée. Vous allez tous expliquer. Vous pensez que ça a fait des Facebook où on bavarde dans le vide là. Où on parle parce qu'on a envie de parler. Chacun appelle pour raconter sa mort là. C'est pas ça, hein. Il paraît-il même encore que... Moi-même au Maroc, même, je me suis prostituée. C'est vrai. C'est que lui-même qui a appelé pour dire qu'au Maroc, c'est la prostitution qui m'a envoyé là. En fait, je suis allée même coucher toute sa famille. Il ne s'est pas rappelé de la partie là. Oui, c'est la vérité. Tout ce qu'ils disent aujourd'hui là, c'est ça. Mais la vraie réalité, ça sera au tribunal. Une LGBT cherche quoi? Dans un coin des interros, en provoquant des gens. Elle a expliqué. Le site de rencontre aussi, de la prostitution, va parler d'elle-même. C'est vous qui pensez que vous avez les preuves. Est-ce que moi, je vous ai déjà dit quelque chose? Moi, je n'ai rien, coupe. Je n'ai rien. Oui, je n'ai rien. Appelez tous les gens à Paris. Ils n'ont qu'à venir témoigner contre moi. Mais la vérité, là, sera là-bas. C'est-à-dire que quand moi, je serai dans l'avion en train d'être rapatrié, là, on s'en va ensemble, quoi. Parce qu'on a nagé pour venir, là, c'est quoi? On va nager pour repartir ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que papier, là, on donne et puis on arrache aussi. Donc, en tout cas, sachez que je ne vais pas aller seul. Ma copine et moi, on va se suivre. Ma copine, ma grande CP nationale et moi, la star du Boyer. C'est vous qui êtes les stars actuellement, non? Moi, je suis Restangolo. Mais vous êtes traumatisés. Vous êtes des grands stars. Michael Jackson vous a appelé sur la piste. Moi, une pauvre aigrie, mais vous avez mal. Je ne comprends pas. On peut gifler quelqu'un en bouteille. On peut frapper quelqu'un. On peut menacer quelqu'un, puis rester dans la voiture. Et puis venir dire que... On m'a giflé, puis venir dire qu'après que c'est mon pied, c'est mon dos. Moi-même, mon cou, elle est là. Ça ne marche pas bien. Là, là. Vous voyez qu'il n'arrive pas à bien tourner. Le cou. La lame est à l'intérieur. Si il ment, c'est qu'eux aussi, ils mentent. Si je mens, c'est qu'ils mentent. Ah, c'est ça. Là, c'est vous qui voyez, mes chéris. La vraie vérité. Aya est sans papier. Aya, c'est quoi? Je n'ai pas papier, non. Seigneur. Oh, merci de m'avoir arraché le sourire. Je n'ai pas les papiers. Je n'ai pas quoi d'autre encore. Je sortais avec un prisonnier aujourd'hui. Sur le prisonnier même, et qui, d'après vous, je sortais. Il était dans sa maison. On dit, veut une star. Où est le problème? Pourquoi on doit parler pour ça? Hein? Quelqu'un, on l'insultait matin, midi et soir ici. Je me dis qu'il n'était pas là, je l'ai défendu. Si lui-même, il est sorti, qu'il dit que...
il va marcher avec celle qui l'insultait, qu'il est amoureux d'elle, je ne sais quoi. Ça, c'est entre eux là-bas. Oui, ça, c'est entre eux. Donc, où je suis là, là, j'attends. Cargo qui a me prendre pour m'envoyer en prison, là. C'est ça, j'attends. C'est ça, j'attends. Parce que vous tous, vous voyez les gens. Je vois même des gens qui m'appellent à Yann. Ils ne peuvent rien crier. Regardez-moi bien dans les yeux. Ils ne peuvent rien crier. Et c'est pour eux qu'ils connaissent. Je vous ai dit, derrière le village, il y a campement. Avant campement, il y a village. Avant de trouver le champ. Regardez-moi bien. Je ne suis pas les gens qu'on effraie sur Facebook. Là. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est sans papier, qui vient sur Facebook, qui parle ici, qui parle ici, qui parle là. Vous, mais vous n'avez pas peur. Vous seul, vous tremblez. Vous seul, et toute votre gloire, vous tremblez. Et tous mes ennemis qui se sont associés à vous, vous tremblez. On peut venir être effrayé devant une sans-papier comme ça. Une fille qui n'a pas les papiers. Oui, une fille qui a nagé pour venir. Une fille qui n'a pas de truc. Et puis vous êtes effrayé à ma place. Vous êtes effrayé à ma place. Je ne comprends pas. Fermez-la, allez me mettre en prison, c'est tout. On ne parle pas trop. Faites comme Yves, essayez d'y parler. J'ai vu même deux prisonniers même en train de sauter. Ne vous inquiétez pas. Il y a une chose qui est sûre, on est en France. On est en France. Et puis la France, là, les lois sont établies. Ce n'est pas en Afrique. Hein. Ce n'est pas au commissariat sans loi où tu portes plainte et puis c'est toi qui as raison. Ici, là, c'est la France. Voilà, tout ça. C'est mon papier du champ. Je dois prendre pour aller planter raisin au champ. On m'a donné pour aller planter raisin, quoi. Ne soyez pas traumatisés. Profitez de vos stars mania. Profitez. Vous êtes les stars à l'heure, là. Profitez. Et puis, quand vous allez finir, jetez-moi en prison. Mais vous serez surpris d'être étonné qu'il y a Dieu dedans. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Tu devais porter plainte contre l'infirmière qui t'a fait le pansement. Oui, mais je vais porter plainte contre tes testicules aussi. Hein? Oui. L'infirmière qui m'a fait le pansement, là. Quand je vais finir, là, il a porté plainte contre ta famille. Ah, c'est vous ceux qui dites la vérité. Vous, là, c'est la vérité. Allô? Pour vous, là, c'est la vérité. C'est moi, je mens. Ah, c'est que je mens. C'est que vous, en tout cas, la vérité est de vos côtés. Le mensonge est pour moi. Mais ce n'est pas à faire de commentaires de Facebook. Hein. Je sais que vous n'allez pas être au tribunal et nous. Sinon, j'aurais voulu que vous soyez là, quoi. J'aurais voulu que vous soyez là. En tout cas, quand ils vont me mélouter pour aller m'enfermer, là, venez, vous allez assister. Merci beaucoup, Mariam. C'est gentil. Merci. Voilà. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous dire. Il y a quelqu'un qui dit que Dieu souffre, qu'il y a Dieu dedans. Mais oui, c'est lui qui m'a créé. Toi, tu peux fabriquer l'homme. C'est Dieu qui m'a créé. Donc, je fais recours à lui. Je ne vais pas faire recours à des gens virtuels, avatars comme vous. Allô? Oui. C'est qui? Il y a quoi? Oui, toi même tu as senti ma douleur dans ton... Non, tu as senti ma douleur, non? Tu as vu, on se connaît même pas, mais tu as senti la douleur. Tu as senti ma douleur, hein? Je prends les canons parce que vers là, ça bat. Vers mes oreilles, là, ça bat comme c'était du fion. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas trop en forme.
Parce que vers le cou de mon oreille, là, ça coule. Oui, tu as senti la douleur. Tu sens la douleur. Oui, parce que quand je dors, même je dors sur un côté. Je n'arrive plus à dormir là. Je sens enflé. Ça bat, on dirait bave de funérailles. Ça fait tout. La chose de la douleur. Oui, j'ai une radio même à faire. Radiographie, par exemple, ma tête. C'est rentré dans ma tête, hein. Il y a un côté de mon crâne, là. Ça va pas trop. Je te promets. Non, t'inquiète. On a mon crâne, même. La Satan, là, même, s'est déplacé pour venir vers ma nuque. Je n'ai pas compris, hein. Moi, je suis allée, là, on dit que radio, là, la Satan qui est au milieu de mon front, là, c'est venu vers ma nuque, ici. Je ne sais pas s'ils vont ramener ça en haut. C'est quelqu'un qui ressent mon mal, en fait. Une tata qui m'appelle. Merci beaucoup, tata. D'accord. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Je voulais aussi faire un gros bisou à ma coach Lady Sonia. Oui, oui. Je ne sais même pas si je vais retrouver mes oreilles. Je ne sais pas, mais en tout cas, tu prends les médicaments, ça va aller. Ça va aller, non? Tu as vu vers les oreilles, là aussi, elles sont levées. Mais je suis obligée de mettre maintenant perruque là, un côté. C'est ça qui ne me plaît pas trop. Et perruque là, maintenant, est un côté. Non, mais ça va aller, c'est quoi, 2-3 semaines à moi? Ça va aller, bien sûr. Ils ont parlé d'un an, hein, de repos à la maison. En fait, c'est parce que tu sentais pas la douleur, en fait. C'est pour ça. Ça va vite passer. Faut juste prendre les médicaments. D'accord. Non, c'était un peu ça, la famille. On avait parlé, il y a parlé là. Il y a juste un derrière. Ça a bougé un peu. Oui, ici, là. Regardez. Regardez comment ça a fait. Regardez au niveau de là. Regardez ici. Bah, coupe. La famille, on va faire si est grave. Et puis ma page là, ils ont signalé. Vous allez voir que vous ne voyez plus la monétisation, non? Et le truc, le support là, ça va venir dans une semaine. Ils m'ont signalé sur le poste, un poste là. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu en ralenti. Voilà, donc que Dieu prie pour moi. Parce que je suis en train de parler là, je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc priez pour moi. En tout cas, voilà. Les choses de la douleur, oui. Comment on peut prendre l'âme pour se balader avec? Ça, c'est, de la, c'est d'être criminel en fait. Comment tu peux te balader avec l'âme pour ôter la vie à quelqu'un? Tu vas dans un espace où on danse, où on s'amuse, tu as l'âme dans ton sac. Pourquoi? On peut parler, utiliser l'âme. Ça, c'est grave. Là, j'ai affaire au gangster. Ça, c'est plus affaire de Facebook, c'est plus le game, c'est devenu gangster. Parce que tu ne peux pas avoir l'âme dans ta main. Est-ce qu'on va s'amuser avec l'âme? C'était prémédité. C'était prémédité. Parce que même le policier, là, il a entendu, en tout cas, on a traduit. Oui, il là, mon bolo, mes bolo. Maintenant, visa est chichi. Maintenant, là, mon bolo, il a un visage en chichi. C'est ça qui s'est passé. Donc, je n'ai pas senti, parce que vous savez, comme il était, toi, je dors matin. Moi-même, je suis ici, ma joue est là-bas. Sont allés me faire un truc pour me sortir ça. Donc, c'est grave. Voilà, peut-être qu'on me donnerait pour un an. Je fais comment? Hein? Les gens qui ont papier, là.
Comment on peut se balader avec une lame pour déchirer une sans-papier? Hein? Elle est venue vous asseoir pour dire que c'est rentré, c'est sorti ici, des explications à la con. Hein? Mon arrivée a été annoncée. Lame et bobolo. So what? So what? Oui, do that. On est ensemble. You're my friend. You're my sister. Hein? You're my colleague for nager, for the requins. Hein? I'm tilapia. You are soso. Non, même pas soso. You are driven. A driven séché pour. You are driven. I'm tilapia. On est venu ensemble. Si vous êtes parti, dites que vous lapez la paix pendant que non. Et que vous avez, dans quel coup, l'âme dans ta pointe me déchire ça. On peut faire ça. On peut déchirer l'homme et l'âme. Parce que tu as les papiers. Parce que tu as les papiers. Parce que tu as les papiers. Dieu. Jesus is low. Jesus is low. Jesus is low. Jesus is low. He's very low. Je ne peux même pas. Mon cou est comme. Je suis obligée de. Mon cou est devenu coussin. Je peux faire ça. Que la loi française soit faite. Je fais recours à la loi française. Je n'ai personne. Je suis enfant de deux pauvres associés. Une nageuse internationale, maman. Je crois en la loi française. Je crois au président Macron. Je crois aux autorités de ce pays. Je crois à la justice de ce pays. Oui, je crois en Dieu. Dans ce pays-là, c'est un pays de droit. C'est un pays de loi. Oui, le droit de l'homme est lu ici sur papier. Je crois en la justice. Je confie cette histoire dans la main de la justice. Ça a été prémédité. Prémédité. Oui. Ça a été prémédité. Donc, que la loi fait son travail. En tout cas, chérie, Marco, Malou de CP, quand je suis dans l'avion pour le rapatriement, là, tu es à côté. Je vais pas sur. Je suis venue avec toi. Je dois repartir avec toi. Moi, je ne vais pas partir pour te laisser. Ce n'est pas possible. Hein. Tu es à côté. On nous rapatrie ensemble. Nous sommes deux qui avons nagé pour venir ici. Donc, je dois. Tu es à côté. Puis le gros tas de dindes est derrière. Hein. Oui, oui, oui. Et le gros tas de dindes, ils vont la déposer où on dévisse l'avion là. Où il y a moteur d'avion, là, c'est sa place. Tu es à côté de moi. Je ne bouge pas d'ici sans toi. Hein. Toi et moi, on s'en va ensemble. Tu as laissé papier des blancs là. Tu n'es pas né à ça. Oui, papier qui ne fait pas circuler ton sang là. Tu as déposé ça. Puis toi et moi, on va ensemble. On aura rapatrié dans le pays. Moi, nous, j'étais, je sais pas, en Éthiopie ou bien au Niger. Et puis on va se débrouiller pour entrer au pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prépare ton boudou. Je prends mon boudou. On va se suivre. Je n'irai pas sans toi. Hein. Sans toi, je ne vais pas partir. Oui. Sans toi, je ne bouge pas de ce pays. Macron lui-même, il sait. Toi et moi, on est ensemble. Si on va aller en prison, on est ensemble. Dans la même cellule. Si c'est pour aller, rapatriement, là, une soukoua son sou, je ne bouge pas sans toi. C'est ce qu'il est venu te dire. Comme la France t'appartient là, on va voir ce qui va se passer. Sur ce, la famille. Oui, oui. On peut nager pour venir puis dire que quelqu'un d'autre s'appelle tilapia. Comme si tu as pris jet privé pour venir. Si ce n'est pas la frustration. On peut s'agiter dans la stade manière. On ne force pas, nous, on ne force pas. On ne force pas. Voilà. Donc c'était un peu moi.
Je vous fais de gros bisous. Je voulais juste souligner ça. Je voulais juste vous expliquer un peu comment ça s'est passé et comment ça va se dérouler. Je ne reviendrai plus sur ça. Voilà. Déjà même, ma page est un peu malade. Je vais attendre qu'on rétablisse. C'est pour ça que j'ai fait une autre page, que peut-être que j'ai fait des petites vidéos dessus concernant ce qui se passe le temps que ma page se rétablisse, en fait. Voilà. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous dire. Ma page est malade. Ma page est très malade. On m'a... Vous avez vu le poste qu'il y avait mis. Ils ont signalé ça. Voilà. Donc, je vais laisser celui qui gère ma page faire le travail. Et puis, prenez soin de vous. Bonne nuit. En tout cas, je tenais vraiment à m'excuser auprès de beaucoup de personnes. Vous me connaissez, voilà. Quand on excite une personne à la haine, quand on excite une personne à la bagarre, parce que quand tu excites, à force de venir taper la porte du diable, elle ouvre. Voilà, elle ouvre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, tout le monde a vu, hein, au château d'eau, c'est pas moi qui ai filmé. Tout le monde a vu, je suis arrivée aux Zoulous, j'ai été filmée. Vous tous avez vu, mais vous jouez les gens qui ont Apollo. Vous jouez les gens qui ont Apollo. Sinon, au château d'eau, là, j'ai été insultée copieusement. Vous m'avez fait direct là-bas. Je n'ai pas fait de direct là-bas. Il y a eu 3 directs sur moi de sortie. Ils vont me frapper. Vous avez oublié ça? Ils se sont arrêtés devant le maquis, là, de salon de coiffure. De sortie, ils vont me frapper. Donc, direct, ça, là, vous n'avez pas parlé de ça. Vous n'avez pas dit, non, ne fais pas ça. Vous faites votre sur Facebook. Si tu la vois, tu n'as pas le droit de qui a mis ça? Hein? Si tu la vois, tu n'as pas le droit de venir dire que tu vas la frapper. Je t'ai obligé de me cacher. L'affaire-ci n'a pas encore commencé. Mais regardez bien dans mes yeux. Ce que vous effrayez là, c'est pas moi. Écrivez puis notez. Ce que vous... Oui, quelqu'un dit mon visage. Mais oui, je suis malade. Moi, je suis malade. Mon visage doit ressembler à quoi? Je suis malade. Est-ce qu'habituellement, je me présente comme ça devant vous? Je me présente comme ça devant vous. Je ne me suis jamais présentée comme ça devant vous. Je suis malade. Il n'y a qu'à venir me maquiller. Il n'y a qu'à venir m'habiller sexy. Pourquoi? Je suis malade. Hein? Je prie froid même. J'ai pris froid. Je suis malade. Je vous dis que je suis malade. Donc, je n'ai pas le temps de me maquiller, coller perruque, tout ça. Ma santé d'abord. C'est ceux qui disent qu'ils sont malades, mais qui collent les perruques. C'est eux. Sinon, moi, je suis malade. Voilà. J'ai été examinée. Et j'ai été... on a eu une petite opération pour enlever la lame qui était dans ma joue. Voilà. Donc, mon cher, je n'ai pas besoin de venir me maquiller. Je n'ai pas besoin de venir mettre faux cils. Non, non, non. Je suis malade. Je suis malade. Oui, je suis malade. J'ai été défigurée. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, priez pour moi si vous pouvez. S'il te plaît, bouge ta tête. Je ne peux pas bouger ma tête. Qu'à bouger ma tête comment? Et vous aussi. Ma tête, voilà ça. Ils ont bandé où? Vous voyez pas? Attends, regardez. C'est rouge, ça rougit là. Regardez. Vous voyez toi? Hein? Regardez comment ça enflé. Regardez. Regardez-moi mes lèvres, comment c'est devenu sec. Je suis malade. Les autres malades, là, collent des... c'est ce que tu as sur la tête. Là, c'est... Voilà. Non, c'est pas... C'est pas une peu comme tu es stupide, je vais te bloquer. Mais sinon, c'est pour ne pas apparaître truc. Je n'ai pas collé où. Voilà ça, je peux enlever. Vous voyez, non, je peux enlever. J'ai juste déposé. Je vous dis qu'il y a quelqu'un dans ma tête ici. Voilà ça. Voilà ça. Regardez, je peux enlever. Hein. Je vous dis que je suis malade. Il y a juste déposé comme si ma tête est. Il y a juste déposé. Non, ça va pas. J'ai juste déposé. C'est même pas un truc. J'ai pu enlever. C'est juste quand dans ma tête en haut. Regardez. Ils ont rasé même mes cheveux devant. Là. Je suis malade.
Eux, quand même, c'est comment ils placent Péru sur ma tête. Ça va pas où? Donc, bisous, bisous. On se dit à demain. Priez pour moi, portez-moi en prière. Demain, je dois encore aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est gentil. Merci pour le soutien. Je vous remercie. Je t'aime trop, Aya. Merci. Merci, la famille. Merci. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Je vous dis merci. D'avoir pris de mes nouvelles. Je vous dis vraiment merci. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit que... pleure chérie, ils t'ont traumatisé. Oui, je suis traumatisée. Elle me traumatise. Beaucoup traumatisé. On se dit à demain. Beaucoup traumatisé. I am very traumatisme. I am very traumatisme. God bless me. God bless me. Bless me. Bisous, Aya, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Mais j'ai mal à la tête, je prends des médicaments, j'ai dormi. My tête is spilling me, is very book is bad thoughts, is good bad, is bad for, is book. So, we cascas Michael Jackson for my tête. Comme si il y avait ballet de Michael Jackson dans ma tête. Oh, je suis là. Et sans le ballet de Michael Jackson. Et ça, le ballet de Michael Jackson dans ma tête, ça va pas. Je vous laisse. My tête is spilling me. Bye bye.